qui m'intéressait avant tout était de montrer le côté artificiel et donc dangereux du monde de l'enfance. On rêve tous des chambres d'enfants et quelque part on a tous cette nostalgie-là parce qu'on est dans un lieu très très sécurisant, un peu trop. Et c'est justement ça que je dénonce. Quand on va en magasin de jouets, on a toujours le choix entre le rose fluo ou le bleu fluo. Donc ce qui me dérange, c'est le côté hyper formaté de tous les objets que l'on relie à l'enfance. Quelque part, on crée à l'enfant un contexte hyper sécurisé et hyper édulcoré qui, pour moi, à un certain niveau, devient mauvais. Nous sommes dans une chambre complètement abracadabrantesque parce qu'on partait donc sur cette base qui est l'univers hyper sécuritaire de l'enfant, coloré, rassurant, doux, d'où tous les coussins, pour en faire quelque chose de beaucoup plus inquiétant que ça. Au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Je fais de l'Alice de Lewis Carroll une sorte de guerrière. C'est le seul des quatre personnages en fait qui est réel dans cette histoire. Le soldat de plomb n'existe pas, du moins il n'a pas été créé par Lewis Carroll. Je me suis inspirée donc d'un conte de mon enfance qui s'appelle Le petit soldat de plomb. Après, le personnage que moi j'en fais n'a rien à voir. Le soldat aide Alice à atteindre cette mer, cette reine, c'est insaisissable. Sorte de représentation un peu éloignée de la reine de cœur du labyrinthe de Lewis Carroll, en beaucoup moins tyrannique, j'en fais plus une icône qu'un personnage. Elle est l'insaisissable, c'est le nom que je vais donner. Donc l'insaisissable est la figure de la mère qu'Alice veut attraper. Ce que je mets là, c'est pas mal. De toute façon, je la veux debout sur un meuble, le truc le plus amoureux possible et imaginable sur un tableau. Le concours dans cette aventure est l'adulte. Il est celui qui n'a pas sa place ici. J'en fais une sorte de portrait croisé entre Lewis Carroll, donc l'auteur d'Alice, et le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet, dans l'œuvre de Eugene Barry et Peter Pan, incarne l'adulte et surtout le temps. Il incarne en fait ce temps qui va conduire inexorablement l'enfance vers l'âge adulte et va donc le couper des rêves et des illusions qui sont propres à son âge. Vraiment tout ça fléchi, vraiment garder. Tu oublies des choses, Marc? Nickel, ouais, faut vraiment que tu prennes la place avec ton corps dans l'espace. Moi, je sais pas, je viens de faire ça. Ça, c'est génial. Ouais, ferme ça. Le corbeau est Lewis Carroll. Lewis Carroll a vraiment connu Alice, donc il a fréquenté beaucoup de petites filles dans sa vie, car c'était un personnage assez associable. Alice Liddle était donc l'amie de Lewis Carroll. Il en était d'ailleurs amoureux, du moins c'est ce qu'on atteste, c'est certaines de ses correspondances avec elle. C'est pour ça que j'en ai fait aussi une sorte de corbeau qui veut la posséder. Donc ce corbeau est une sorte de spectre du Lewis Carroll, de l'écrivain qu'on connaît. Ce spectre donc qui veut posséder Alice, qui en est amoureux et qui le fait de manière maladroite parce qu'il le fait comme un adulte envers un enfant.
Thank you.